Rediscover Extra Miles, Afrasia's signature loyalty program. Use your Afrasia World and Titanium credit card. Accumulate and redeem your extra miles across more than 800 airlines, 200,000 hotels, and 45,000 car hire locations worldwide. Afrasia, bank different. Écoute, l'exercice d'aujourd'hui, c'était un exercice qui démontrait que le MMM a envie d'être à l'écoute du peuple dans le cadre de ce nouveau projet de société qui nous peut développer. Parce qu'avec le projet de société, nous avons aussi développé un programme électoral qui parle au peuple, qui est capable de prendre en considération les vraies aspirations du peuple. Et là, nous commençons avec le secteur des SMEs, comment on trouvait, comment on entendait. Et la raison pour laquelle nous commençons avec le secteur des SMEs, nous connaissons, nous t'en dire que le secteur des SMEs a un grand potentiel pour emploi des jeunes, des moins jeunes, dans un nouveau secteur. Dans mon nouveau secteur, dans mon nouveau créneau. Mais quelque part, nous pouvons trouver ou entendez mon témoignage qui quantité de difficultés ce secteur-là a pour démarrer. Et nous, au MMM, nous avons envie de dire à tous les citoyens et citoyennes de l'île Maurice, pas désespérer, parce que nous pouvons répondre à ce secteur-là tout en créant des opportunités, des propositions et des idées nouvelles. Si nous pouvions légiférer pour nous casser un monopole, pour nous casser un lobbyisme, nous pouvions proposer ça. Si nous trouvions, comme c'est un camarade qui nous témoignait, peut dire que le marché est dominé par l'importation de la Chine et de l'Inde, des petits entrepreneurs, puis tout fait par ça, pas capable de survivre, ben nous pouvons revoir ça. Si nous trouvons que l'éducation pas répond aux besoins de nos nouveaux entrepreneurs, comme nous tendait dans la salle, mon témoignage, nous pouvons revoir le système de l'éducation. Finalement, une réforme, comme on tendait de l'éducation, mais le curriculum pas changé. Business studies, il mean entrepreneurship studies, mais pas n'a assez placement, pas n'a assez côté pratique. Donc, quand on a un jeune, pas qu'on écrit un project proposal pour lui commencer un business, pour bien revoir. Donc, quelque part, malgré tout ce qui nous prétendait, qui est SMIS, etc., depuis 4 ans, SMIS pour promouvoir, ben, on tendait dans la salle ou même qui quantité de difficultés, qui quantité de problèmes qui vont potential entrepreneurs PNA, et c'est ça que nous n'avons pas envie de faire, parce qu'ils ne nous pas disposés, nous pas envie d'écrire un projet de société qui ne répond aux besoins de la société mauricienne, qui pas donne les mêmes chances à tout le monde. Parce qu'à ce stade, il y a autant de problèmes internationalement, du point de vue économique, du point de vue de la globalisation. Donc, les marchés sont fermés, sont restreints. Et quelque part, nous pouvons s'inquiéter comment nous pouvons survivre l'économie mauricienne si nous avons envie d'une chance, pas juste faire croissance, mais une croissance qui n'a pas créé l'emploi. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. C'est pour ça que nous avons envie d'écouter la voix du monde, pour nous capables de comprendre cette bonne aspiration, cette bonne expectation. Et qui peut faire, gagner une proposition aussi qui sortit du peuple, pas nous qui venons imposer ça, qui le peuple mauricien peut souhaiter.